Salut tout le monde, c'est Ilias et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir Photoshop, donc le vrai, sur mobile. Donc c'est une version qui était, je crois, sur le Play Store, mais maintenant elle n'est plus. Et du coup, je vais vous montrer comment l'installer. Bon, donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me fait énormément plaisir et comme je le dis, un like égale... une soirée refaite à un labo égale 2 soirées refaites. Donc voilà, je compte sur vous. Je voudrais atteindre les 100 abonnés avant octobre. Peut-être que quand je lancerai cette vidéo, il sera déjà octobre. Bon, bah, je sais pas en fait. Donc bon. Donc, l'erreur, coup, vous allez simplement cliquer sur le lien que je vous ai mis en description. Du coup, l'erreur. Donc, vous allez cliquer sur ce lien du coup. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur ce lien, vous allez vous retrouver sur une page Mediafire. Et vous allez cliquer sur le petit carré bleu. Voilà. Ah, et oui, donc voilà, ça va vous mettre comme ça. Donc maintenant, le truc, il va devenir gris, ça va vous mettre Your Downloading is torching. Merde, là, il y a mon micro qui s'est décroché. Oula. Bon, bah, j'ai essayé de remettre ça, du coup. Donc, les robes, vous allez cliquer sur télécharger. Bon, moi, je l'ai déjà téléchargé, mais bon. Vas-y, en vrai, je vais le re-télécharger. Ensuite, vous pouvez aller dans votre... Vous pouvez soit cliquer sur détails, ou alors vous pouvez cliquer... Donc, c'est la même chose. Ou alors, vous cliquez ici sur téléchargement. Et du coup, vous pouvez voir l'avancement donc, de votre téléchargement. Donc, voilà. Donc, aussi, les gars, aux 5 likes. Donc, si la vidéo dépasse les 5 likes... Donc partagez un max cette vidéo, si on dépasse les 5 likes, je vous ferai un tuto. Je vous ferai un tuto où je vais vous montrer comment faire de belles miniatures, de beaux logos, de belles miniatures avec Photoshop Touch. Bon là c'est les gars, cette vidéo elle est pas très très grande, hein, c'est juste vite fait pour vous montrer tout ça. Hein, donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc je rappelle, hein, comme si vous n'avez pas entendu, aux 5 likes, je vous ferai un tuto entièrement Photoshop, même si ça dure 2h, 3h. Voilà. Donc voilà, maintenant que ça doit être téléchargé, vous pouvez cliquer sur ouvrir. Voilà. Ouvrir. Installer. Bon, je sais pas, mais je pense que ça va me mettre application non installée. Parce que bon, bah j'ai installé. Donc, ah oui, si ça vous met application non installée, il y a deux raisons. Soit vous l'avez déjà installé, donc je pense pas que c'est le cas. Soit vous n'avez plus d'espace. Bon, moi, même si j'ai déjà installé maintenant, ça me dit quand même application installée. Hein. Et bon, voilà, vous ouvrez Photoshop Touch. Et n'oubliez pas les refs, donc 5 likes. Voilà, vous pouvez voir tout ce que j'ai fait avec ça. Donc, regardez par exemple, j'ai réussi à faire un truc genre ça. Allez, un truc comme ça. Voilà, un truc. J'ai vraiment fait ma bannière, par exemple. C'est avec ça que je l'ai faite. Donc, voilà. Donc, du coup, les refs, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo qui était très, très courte. Hein. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je l'ai pas déjà dit, en fait. Bon, bah, je vais redire tout simplement. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bon, tu connais la chanson. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Ciao!